Nous sommes là parce que quand on nous a dit que les bâtisseurs étaient nés, nous ne pouvions qu'accourir. Tellement nous avons soif d'hommes qui peuvent et qui doivent bâtir ce pays. Voilà pourquoi nous n'avions pas du tout hésité un instant pour que toute notre place est le plus des bâtisseurs. Bâtisseur, ça a toujours été notre rêve. Le rêve de M. Guindo. Un homme que vous avez eu le temps de connaître. Parce qu'il est né parmi vous. Il a grandi ici. Il n'a connu que le même. C'est là qu'il a fait ses études. C'est là qu'il a tiré. C'est là qu'il a opéré. Et je pense très sincèrement. Car avec ses moments de passage au niveau de certains départements, tel que le département des sports, tel que le département de l'éducation nationale, il a laissé des traces, c'est les vraies traces, qui seront encore bien évidemment évoquées dans les mémoires, en tout cas de ceux qui sont concernés par le corps. Je voudrais parler des enfants, je voudrais parler du corps enseignant, je voudrais parler de tous les maliens qui n'ont autre chose en tête que l'éducation. Pour nous, cet homme est là. C'est une chance pour nous-mêmes. C'est une chance. Il a les atouts réels. Il a les atouts de sa jeunesse. Il a les atouts de la connaissance du terrain. Il a les atouts aussi des erreurs que les autres ont à faire de la bêtise des autres. Parce que la bêtise des autres, c'est une erreur si tu sais l'exploiter, si tu sais en tirer les leçons illégitimes. Nous vous donnons en tout cas et nous vous donnons l'assurance que ce serait un homme à l'écoute, un homme que rien ne pourra changer. Rien ne pourra divertir chaque femme qui s'agira de même. C'est vrai qu'on nous avait été critiqués pour notre dernière démission. Mais c'est une démission volontairement consentie, volontairement réfléchie et assumée. Nous l'assumons parce que nous pensons que quand il s'agit du Mali, quand il s'agit de l'honneur du Mali, quand il s'agit de l'avenir de ce pays, nous ne pourrons pas prendre un morceau pour un satisfait et dire que nous ne partons pas aux élections. Nous allons aller avec nos frères bâtisseurs. Nous vous le promettons et nous ferons tout pour que les bâtisseurs gagnent. Les bâtisseurs vont gagner. Ils vont gagner. Il suffit simplement pour eux de n'avoir en tête que le maître et l'homme qui peut bâtir le maître.